Use Me de Bill Withers. Bon Iver, 22 a Million. Et Stup Virus, le dernier album de Stupeflip. Un tombé de cymbales. Gros coup de cymbales et spectacle. Alors moi j'avais fait un concert avec ces deux acolytes, avec le trio à Cahors, et c'était un concert où on m'avait proposé de jouer sur un clavier, bon ce qui ne m'enchante guère, mais surtout là c'était un clavier particulier parce que la pédale de résonance était montée à l'envers, ce qui signifie que à chaque fois que je n'appuyais pas, le piano résonnait, et il fallait que j'appuie pour arrêter la résonance. Et j'ai consommé beaucoup de Dafalgan à la suite du concert, parce que c'est très éprouvant. Moi j'ai eu ma petite goutte sur scène à la sortie de l'album dans une salle parisienne où j'avais mal réglé un effet, et quand je dois démarrer le morceau avec un son énorme, une grosse distorsion, je tape sur ma contrebasse, ça fait prrrr, et l'effet était mal réglé, et j'ai pris tout mon élan et j'ai fait Début du concert, premier morceau. Et là, t'as la goutte. Et donc, j'ai passé 5 minutes à me sortir de cette chose-là et à inventer quelque chose du coup avec ce POC et à repartir sur le morceau d'origine. Mais Adrien est très inventif. Voilà, c'est la petite goutte historique quand même. Thelonious Monk, mais ça va être compliqué. Il est plus de ce monde, mais j'aimerais bien faire un duo piano avec lui. J'ai tellement de rêves. J'ai tellement de featuring. Moi, je sais pas. Mais... Moi, j'aime bien les rappeurs. J'aimerais bien soit de l'électro, soit un rappeur. Ouais. Qui fait de l'hip-hop, tu vois. Bah je pense Miles Davis, parce que Miles Davis. Ouais. Parce que quoi, tu vois. Alors on vient d'enregistrer le deuxième album du trio, on a fait ça à Cahors, à l'Auditorium, c'était au mois d'août. Là on rentre tout juste d'une tournée en Inde de 10 jours et on repart pour de nouvelles aventures en Chine du 12 au 30 octobre. On va faire une belle tournée aussi. Sortie de l'album sur le label Labori Jazz dans le courant de l'année prochaine. Ouais, The Mangani Years pour moi. C'est le musicien du Rajasthan qu'on a rencontré sur la tournée en Inde avec qui on a pu faire un échange, un concert en commun et des morceaux ensemble. Je réfléchis encore, vas-y. Cette année. Non, on peut dire Andy Emler, Camille Chan. C'était pas cette année quoi, mais... Oh, c'est pareil. Ouais. On va sortir la vidéo cette année, c'est comme si c'était fait cette année. Andy Emler. Andy Emler et Claude Camille Chan. Andy Emler est pianiste-compositeur, Camille Chan contrebassiste-compositeur. Voilà, c'est des musiciens qui sont marquants pour nous. Moi, je prends des photos. Je bois du café, je cuisine pas mal pour ma copine, pour ma chérie. Je dors. C'est pas mal. On s'amuse. C'est juste. En un mot, le silence. Le silence. Le silence, bah le succès, ça vient parce qu'il y a le silence. Non, mais c'est bon. Bah non, mais c'est des fois, hein. Je dis de belles choses. Hein. Non, c'est bon. Toi, t'as dit on s'amuse. On s'amuse. Et toi, le silence. Voilà. Non, je sais pas. Non, je veux dire un truc à l'aventure humaine, mais c'est dégueulasse. Mais non. Essaye de jouer. Essaye de jouer. L'aventure humaine. C'est bien ou... Chaud la honte. Conga de Gloria Estefan, celui-là c'est le mieux. Mom, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Ah ouais, complètement. C'est ce que tu vas dire toi. Moi c'est grave hein. Toi ça va faire mal. Ça va faire mal, c'est au détruire. Ouais. Tu peux le dire, peut-être qu'il le censure. Dans mon ascenseur de Calogero. Oh non. En apesanteur. Oh, non. En apesanteur, bien sûr. En apesanteur. Non, ouais. Tu peux pas faire ça, gars. Si, j'adore. C'est puissant. Ouais, ouais, j'adore. Après, je le dis à personne, normalement. Ouais, si, il y en a un bien qui chouille, c'est une espèce de starlette italienne des années 70, très disco, là, qui s'appelle Pino D'Angio, qui s'appelle Keidea. Oh yeah, si dice così, no? E poi, Keidea. Vous écouterez, vous comprendrez. C'est un... Ah, c'est bon, ça. C'est ce que je dis à mes intimes, quoi. Mais on a encore tant de choses à vivre. Est-ce que ça te tétanise du cerveau de la tête? On en dit plusieurs ou parce que... Il y a eu la dance d'abord, ensuite il y a eu Nirvana, mais ça c'est une bonne période. Et après le reggae, parce que j'adore Bob Marley. Non, j'étais très sage. Donc moi j'écoutais la musique cubaine du Buena Vista Social Club quand j'étais ado. Pour moi c'est... Non, j'ai pas eu une adolescence. Non, t'as pas écouté la dance? Non. Donc on lui fait découvrir Nirvana, voilà. Noir Désir, ouais. À 30 ans. Voilà. 30 ans, t'es gentil, ouais, ouais, t'es 28. 28, oh. C'est vrai. Ouais, non, moi j'ai eu ma paire de Rasta, ouais. Les pantalons comme ça, j'avais un poncho. Poncho, ouais, bah, comme notre copain. J'allais au collège avec un poncho. Un poncho, j'avais des dreadlocks. J'avais des dreadlocks et après j'avais un gros bonnet rouge. Rasta, quoi.
chaque fois que je monte sur scène avec eux. Franchement, ça ressemble à l'aventure humaine de tout à l'heure. Hein. Attends, à chaque fois que je monte sur scène avec eux. Ouais, ouais. Il y a eu un moment très fort aussi par rapport à l'accueil du public et au lieu dans lequel on jouait avec le trio. C'était l'été dernier sur le festival qui a lieu en Bretagne qui s'appelle Jazz in Langourla, où on jouait dans un théâtre de verdure. Et voilà, autant le son que la manière dont avait réagi le public, c'était un très beau moment. Ouais, comme Lorenzo. Oh non, tu peux pas faire ça. Non, on joue le jeu jusqu'au bout. Autre chose que l'aventure humaine. Hein. Non, j'ai beau chercher, Rodillan, je pense que c'est le... Citation. Non, ne l'écoute pas. Salut Clem. À bientôt. Eh, c'était cool de te voir. Salut. Non, mais non, mais en plus, toi, tu vas dans son jeu, quoi. Bah, vas-y, mets-toi au milieu. C'est qui déjà? Ah, non, mais me commence pas à... Non, c'est toi qui. Sinon, on fait pas ça, il faut pas cette question. Attends, je t'ai saoulé pendant longtemps avec ça. Je suis plus Montesquieu. Montesquieu. Voilà, la gravité fait le bonheur des imbéciles. Ah, ça, c'est bien ça. Merci. Champion. Pas mieux. Moi je suis honnête, hein, j'en ai pas. Hein. Bah si, Monk, don't play everything every time. Ça veut dire quoi ça? Don't play everything every time. Je joue pas tout le temps. Voilà. Quoi? Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Ça après j'en ai plusieurs. Hein. De Monk, j'en ai une petite collègue. Bah ouais, Monk on aime bien. Make the drummer sound good. Et moi les gars. Non, c'est bien. Ouais, moi je partage leur avis. Dai, vieni. Non facciamo nulla. A me mi piace il fatto che io sostenga, vieni, non facciamo nulla. On est ridicule après à côté. Benjamin, viens, on approuve, on fait rien. Lorenzo, viens, on approuve, rien. Non, ah, non. Lorenzo, on approuve, viens, on fait rien. Adrien, on approuve, viens, on fait rien. On fait rien. Viens.